pour préparer notre travail pour cette année dans la valeur C2 pour les projets, pour les devoirs, pour les exercices, je vais vous demander de créer d'abord votre compte GitHub, je crois que vous en avez tous un, avec vos emails de l'ISAE-DULB. Comme ça me facilite la tâche pour vous retrouver. Une fois que vous avez votre compte GitHub, je vais vous demander de créer une organisation. L'avantage de l'organisation, on va créer une organisation pour les projets et les exercices et les devoirs de cette année spécifique. Que je ne sois pas obligé de vous chercher par personne, mais qu'il y ait une norme pour définir l'organisation. Donc vous créez une organisation, vous avez vu dans GitHub une fois que vous êtes connecté, vous choisissez la version gratuite, bien sûr, vous donnez le nom de votre organisation. Donc pour que je la retrouve, 2020, underscore, votre identifiant au CNAM, par exemple, moi je prends à titre d'exemple 1000F, underscore C2, d'accord, et éventuellement nom, prénom, là c'est optionnel, mais pourquoi pas. Bon, pas de points, des points, est-ce qui me permet de faire des points? Voilà. Là, il m'a permis de faire des points, il a mis des tirets. Très bien. Peu importe. Donc, j'ai besoin de ces informations-là dans le nom. 2020, votre identifiant, C2 et le nom prénom. Ensuite, vous mettez votre email, celui de l'ISAE-DULB qui est le même que votre compte personnel. Vous dites qu'il appartient à votre compte personnel. Next. Et voilà, votre organisation a été créée. Je me reconnecte. Vous aurez toutes ces étapes à faire. Et maintenant, donc, vous êtes dans cette organisation. Donc, moi j'ai besoin que vous preniez ce lien et que vous me le mettiez dans la réponse au QCM. Voilà, un tout petit devoir tout simple.